Québec l'arrive. Le vice-président François, il y a un qui a voyagé, il y a un qui est en route. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de suivre attentivement ce qu'on va vous dire. Même si vous ne comprenez pas quelque chose, évitez de lever le ton sur vos formateurs. Même si tu connais que le formateur, tu écoutes ce qu'il va te dire. Mais pas de compétition. C'est interdit. Celui qui le fait, il s'expose à ce qui peut arriver. On est arrivé à un stade où chacun doit prendre conscience que le culturel, ce n'est plus de l'amusement. Ce n'est plus de l'amusement. Cette année, on a commencé à faire voyager nos encadreurs. Et l'année prochaine, en 2017, eux qui vont voyager. Toujours pour aller apprendre. Si les encadreurs sont bien formés, il faut bien former les athlètes. Il y a des choses. Donc, après ce stage, nous allons faire le stage des athlètes, les meilleurs batteurs et les meilleurs lanceurs. C'est-à-dire, en gros, tous ceux qui seront en équipe nationale. Tous ceux qui seront en équipe nationale. Et j'avais dit aux habits de porter leur tenue d'habits, leur tenue orange. J'espère qu'elle est chose à envoyer pour lui. Parce qu'après, on va faire une image des entraîneurs et une image des amis. Donc, mes chers amis, nous, notre travail, c'est de vous former. Si vous êtes bien formés, c'est de vous former à ce que vous allez apprendre. Chacun de vous a déjà les enfants déjà dans son corps. Le peu que j'ai appris ici, je vais apprendre ça aux enfants. Et à ceux, aux athlètes qui ne sont pas venus. Donc, vous avez le stage qui commence aujourd'hui. À midi, il y aura une pause. Et à la pause, on n'a pas les grands moyens. On n'a pas les moyens, mais on va gérer au moins le petit midi de chacun. Et il y a le café qui sera à votre disposition. La pause. Café, thé. Celui qui prend thé ne prend pas café. Celui qui prend café ne prend pas thé. Non, c'est des choses. Les athlètes, nous les Africains, on a toujours des comportements qui ne vont pas trop. On a mis tout à votre disposition. Aujourd'hui comme demain. Le stade qu'on fait aujourd'hui, on a fait un rapport à la Fédération internationale et au ministère des Sports. Donc, il faut prendre le plus grand chez vous, écouter attentivement. Vous qui êtes les premiers, c'est vous qui allez, c'est vous qui allez gagner demain. Je dis ça toujours, les premiers ont toujours gagné. Tu ne peux pas sortir zéro quand tu es premier. Si tu n'es plus athlète, tu peux être entraîneur ou tu peux être arbitre. Tu es toujours dans une vie. On attend notre affiliation. Une fois que c'est OK, on va nous donner des formateurs internationaux qui vont nous former et les athlètes et les amis. Il faut que les amis soient formés de sorte que je suis devenu formateur dans d'autres pays. C'est ça l'objectif. Les entraîneurs, même chose. Ceux qui vont venir nous former, les anciens entraîneurs, ils ont suivi des formations. Et aujourd'hui, on les désigne aujourd'hui pour aller former dans d'autres pays. Et nous souhaitons que les Ivoiriens fassent ça. Donc, ils sont déjà, les Ivoiriens allaient faire une formation en Afrique du Sud, en Angola, ou au Rwanda, ou au Kenya, ou au Libéria, en Sierra Leone, en Cotonou. C'est notre objectif. Donc, on ne sera pas long. On vous souhaite un bon stage et on vous suit très près.
les détails, on ne va pas décerner des diplômes. Quand un formateur international va venir, il va décerner des diplômes internationaux. S'il y a ce diplôme, c'est valable partout. Premier degré, peut vous montrer au deuxième. On fait ces stages-là parce que le jour qu'ils vont envoyer quelqu'un, il ne faut pas qu'ils trouvent tout le monde nul. Mais quand ils vont se rendre compte que les gens sont déjà formés, ça ne fait qu'accélérer le travail. Pour le moment, ils ne nous ont pas encore envoyé quelqu'un. Ils se disent qu'on est vraiment nul de tout. Tout le président Ghanéen se moque de nous. Et si nous on doit jouer, ils vont nous donner des équipes juniors. Parce qu'ils se disent que nos gars ne valent rien ici. Ils sont nouveaux, ils ne sont pas forts. Donc, ils vont nous donner des juniors. Ça nous dit ça pour nous amuser. Mais le jour que vous allez taper les juniors, chacun va ouvrir les yeux. Et c'est ça que nous devons faire. L'année prochaine, le championnat va démarrer. Après ces stages, il y aura des transferts. En 2017, on va démarrer le championnat. Il y a un véritable problème des stades cette année, à cause de la forte tendance. Ici même, aujourd'hui, on est ici parce qu'on n'a pas encore cassé. L'autre côté, déjà, ils ont commencé à casser. On parle des sports, c'est fermé à tout le monde. Ils ont déjà cassé le terrain, la salle de basse de bord. Tout ça, c'est à plat. Jusqu'à au Kobani, on est en train de filer les gens. À Niger, on ne peut plus rentrer pour jouer. Au contraire de Kumasi, on ne peut plus rien faire. Donc, l'année prochaine, tout le monde aura des problèmes. Mais nous, on va se rabattre sur le stade. L'école municipale de Kumasi ou à l'école. Hein? L'objectif, c'est d'être au niveau municipal de Kumasi. Nous sommes en train de retrouver l'école et j'espère qu'on aura un bon terrain toujours. Sinon, ça sera très difficile en 2017. Tous les stades sont bloqués. Donc, Hervé, il n'a rien à dire. Bon, donc, on vous souhaite un bon stage. Demain, c'est la clôture à midi. On finit demain. Pour commencer, il y a déjà 10h et quelques, on fait plus pause maintenant. Peut-être à 11h, vous allez faire la pause. À midi, vous descendez. À 14h, vous retraînez. Je pense. À 14h, vous retraînez. Et à 17h, vous justement, vous allez descendre. Et demain, à 9h, c'est le premier jour de mon état. Demain, le retard ne sera pas parfait. Tous ceux qui vont venir à l'état demain, ils restent au pilote. Et on considère qu'ils n'ont même pas participé. Et ce constat est tout fait. Je vous remercie de votre présence et bon stage. Merci. Et quand la chance sera là, hein, on vous laisse travailler. Donc,